matin sur la plage aménagée à l'hôtel de ville. Ah, la piscine en plein air, le sable chaud. Ça donne envie de prolonger les vacances échecs, n'est-ce pas? Retrouvons tout de suite Stéphane Laborde qui a peut-être trouvé la solution. Je suis avec Olivier Delabarre. Olivier, tu es directeur technique à Dieppe. C'est et ça, tu es aussi membre du bureau fédéral. Alors tu viens de proposer un séjour touristique avec un partenaire prestigieux, les croisières Costa, hein, voilà, sur les échecs. Donc là, ça fait à peu près 2 ans qu'on a un échange avec Costa et également Mediasens. Hein, et on vient de proposer 2 dates, hein, donc une en octobre et une autre en mois de novembre. Il y aura des échecs de 9h jusqu'à 2h du matin avec des tournois homologués, des tournois seniors. Il y aura également aussi des parties basses, des tournois de blitz à 4 et on proposera aussi des stages aux enfants où les parents pourront faire des excursions pendant que les enfants apprendront quelques bases bien sûr de perfectionnement aussi quoi. Pas si on voit la caméra. Voilà. Donc là, ça c'est disponible aussi sur le site. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a un PDF que l'on peut télécharger. Voilà, donc c'est une nouvelle forme de tourisme. Donc la fédération a cette idée et donc il faut savoir que le site n'est pas dédié que pour Costa, mais qui est dédié à toutes les personnes qui veulent proposer des services aux joueurs d'échecs. Mais merci Olivier. Bah c'est moi. Merci Stéphane. Cette croisière a tout pour plaire aux joueurs d'échecs et à leur famille. A noter qu'il y aura une place à gagner lors de la tombola organisée durant le championnat de France. Allez, on peut rêver d'y embarquer avec un peu de chance, sinon rendez-vous sur le site pour réserver son billet. Retour maintenant sur le championnat avec le résumé de la ronde numéro 3. Dans le national mixte, après 3 rondes, Christian Bauer a rejoint Jean-Marc Degrave en haut du classement devant Sébastien Mazet. Ne manquez pas mercredi les parties Degrave contre Mazet et Bauer contre Bacro. Dans le national féminin, la quintuple championne de France Almira Skripchenko conserve la tête avec 2,5/3. Aujourd'hui, elle aura les blancs contre Andrea Navrotescu. Allez, tout est encore possible durant cette 4e ronde. Les joueurs qui ont chuté dans le sable peuvent toujours se relever.